Et bonjour tout le monde, ici Fab Le Goron pour la Coupe du Monde 2014 sur FIFA 98. Donc on se retrouve pour le match Uruguay-Angleterre. Net avantage de l'équipe d'Angleterre au niveau des stats apparemment. Direction le Brésil. Juste là. Tac. Alors, passe Uruguay, pile Angleterre. Et ce sera pile Angleterre. Et c'est parti. Hello there, Des Lynam here. Welcome to today's game. A packed stadium here to see this match today. The team's getting ready to start what we hope will be a classic encounter. So now it's time to go down to the pitch and join John Motson and Andy Gray. Thanks, Des. The managers before the game telling me they expected a fast and furious pace to this one. How do you think it'll go, Andy? Le poulet. Yes, John. This could be a real. Carton jaune. Mais normalement, c'est un peu de ça. Penalty. Bien, mais un peu lourd, même pas 2 minutes. Est-ce qu'il est marqué? Ah oui, il est rentré. Je pensais qu'il avait été arrêté. J'ai peur. Alors, Gascogne. Qui marque sur le péno. Ah, il l'a arrêté, mais ça rebondit sur lui, c'est bien. Bien. Oula. Un peu trop vite à mon goût. Ah, j'ai pas réussi à le faire un petit peu du lot. Oh, faute sur le saut. Carton jaune encore. Et bien, je commence pas très bien les Uruguayens. Contre Cesca, le Seca. And they're going to make a change. Constantin direct. Oh. Arrête de remer. J'étais un peu loin quand même. C'était hors cadre, donc j'étais pas obligé de l'arrêter vraiment. Ah, zou. Il est plus rapide que moi. Otero qui récupère la balle du coup. Kicked away. Son équipe. Normally done. Neatly collected by the defender. Siman qui arrête cette frappe. Faute sur Beckham. Carton jaune encore, mais putain, on les enchaîne. Sur de Elias. Pour Elias, le carton. Bon, c'est plus de l'autre plus dans le centre. J'ai plus la balle. Cleared away. Oh! Southgate. Carton jaune, putain, c'est le quatrième carton jaune en 12 minutes. Force ça. Faut qu'ils fassent attention, les Uruguayens. Les cartons rouges, ils sont pas loin. Ah, je l'ai tenté. Il allait m'arrêter. No problem there for the keeper. Ouf, c'est intercepté. Merde. Mendes, Elias, Otero, Sosa. Go straight past him. The tackle shrugged off. Putain, j'ai pas chopé. Oh, clever little dummy. Tentative de tir, bel arrêt de Siman. Allez là, putain, j'arrive pas à choper les balles. And he's beaten his man. Neatly done. Good pass. Ouh, la transversale. Elle méritait de rentrer celle-là. Elle mériterait. Allez, ouais, j'ai l'avantage normalement. C'est pas normal que j'y arrive pas. Je donne. Merci.
Merde. Ça a rien si c'est pour la perte derrière. Ah, pensez K qui est en jeu. Offside. Tiens. Non, mais reste là, putain. A lovely pass. Putain, putain de quoi. Putain, j'arrive pas à leur prendre la balle. C'est dingue ça. Pourquoi j'aurais pas dû. Merci. Oh, clever little dummy. Alors, faites tir cadré partout. À 22 minutes, 23 maintenant. Calmly collected. Good clearance. Good header. Heureusement que j'ai un bon gardien dans la cage pour l'instant. Ça m'est très utile. Et vu comment je galère. Ah, White, Beckham. C'est rallié. Well claimed. Kicked away. CK. Nice pass. La merde. Go straight past him. And he's parried that. Great save. Well, it seems like that to keep the manager happy. Oh, well played. Good defending. Ça arrive, qui l'a en push. Alors 55% de possession de balle, moi. Et c'est parti. Southgate. Well, that is good defending. Oh, faute sur Gascoigne. Carton rouge. Ah, c'était quelque chose de carton rouge. Elias, c'est pas content. Nul. Ah, je vais tenter un truc là. Ouais, manqué de puissance, ça a été cadré. A été cadré, mais ça manque peut-être un peu de puissance pour inquiéter le gardien uruguayen. Good clearance. Ouh, belle retournée. Heureusement, bien capté par Siman. La jeu. Good header. C'est pas normal que je galère autant. Encore que vous allez me dire, c'est le premier match de la journée. Et que, comme la grande majorité de mes premiers matchs, je me. Merde. Voilà. Mais putain, mais prends-la. Well taken by the keeper. Sheringham qui se prend un carton jaune pour ce tacle. That's a yellow card. Otero qui tire à le coup franc du coup. Neatly done. Calmly collected. Oh l'erreur. Je voulais pas du tout que ça parte sur le gardien, je voulais que ça passe sur un des défenseurs parce que tu faisais chier. Ouais, grosse erreur de ma part. Très grosse. Donc ça l'envoie sur le noir. Allez. Allez. Nice movement there.
Oh, faute sur Gascoigne encore. Ça sera un carton jaune pour Montero. Et je rappelle que les Uruguayens jouent à 10 et que je galère autant. Qu'est-ce qu'il fait plutôt vite? Well, he really got a piece of him there. Allez, tire! Voilà! Wright! Peter Wright qui marque! Juste avant la mi-temps, c'est très bon ça. And here's another chance to see that. The score now 2-1. Bel arrêt de Siman. Alors 11 tirs cadrés pour les Uruguayens contre 6 pour moi. Niveau réalisme, c'est moi qui ai l'avantage. Là. Allez, Beckham. Le Beckham. Ah putain, Sarah Legui qui vient récupérer. Non. Corner. Alors, premier corner de ce match. En faveur des Uruguayens. Bien joué, Siman. Allez là. Haute sur Otero. Carton jaune. Pour Campbell. Hop, moi j'ai deux. Carrément. Nice pass. Touf. Voilà. Et un deuxième avant la mi-temps. But de Ince. Le gardien n'a pas pu bien arrêter la première. Ouais, ça va, c'est cool. Même pas. Allez, fin de la première mi-temps. Donc 3-1 en faveur des Anglais. Donc un penalty, on a eu d'ailleurs. Alors, donc 15 occasions de but, 13 cadrés, un corner et 6 fautes côté uruguayen. Et nous avons 8 occasions de but, 8 cadrés et 2 fautes. Ça, c'est bien la première fois que je fais des tirs cadrés. Pourquoi j'en fais autant que je... Bon, enfin bref. Hop, parti pour un second mi-temps. Donc le match s'est joué à l'Arena de Sao Paulo. Et il s'est joué le 19 juin. Putain, je vais pas l'heure. À 16h à Rocal. Et il y avait eu 2-1 en faveur des Uruguayens. Good pass. Ce qui n'est pas spécialement le cas actuellement. Go straight past him. Oh, Sheringham. Qui rentre le cadre. Saleté. Allez, remets. Go take it then. Prenez Siman. Hop. Sarvalli, Mendes. Siman. Quand même. Oh, well played. Good defending. Oula, j'ai pas vu venir.
Oh, Sarah Lady. Ça, un petit corner. Carton jaune. Commence à avoir beaucoup de cartons là, les gars. Allez, c'est parti. Un petit corner du coup. Ça les oblige à avoir un mur. Ouais, je voulais pas, je voulais faire une tentative directe. Ça n'a pas marché. Allez, ça remet. Il y a du temps. Goal kick taken then. Aïe. Montero. Otero. Good header. Siman, bel arrêt. C'est bizarre d'avoir un bon gardien, c'est cash. Oh. Et voilà, Inns, deuxième but. Let's take another look at that. Well, I can't believe that. All too easy. Even I could have scored that goal. And the score now, 4-1. Hors jeu de White. Dommage. Neatly collected by the defender. Yeah. Sarah Lévy. No problem there for the keeper. Lui qui la capte tranquillement en se couchant dessus. Oh, j'ai trouvé le rythme qu'il faut avoir pour nice courir pass. Vite. Ouh, elle est dedans. But de la dame. Je la voyais pas dedans celle-là. Pas du tout. And here's the replay of that incident. The score now 5-1. Bien, nous en sommes à 5-1. Je rappelle que la difficulté est en mode difficile, avec une rigueur de 100% sur les fautes. Je me demande si je vais peut-être pas la baisser, c'est peut-être un peu trop haut, 100% du coup, l'IA a tendance à faire beaucoup trop de fautes. Du coup, ils arrivent souvent à 10 contre 11, du coup au final, il va peut-être falloir que je baisse un petit peu ça. Pour le bien des matchs. Putain, White, assez rapide. Good long ball. Well, belle arrêt de Simon. En même temps, j'ai un très bon gardien aussi. Je sais que je l'ai bûché je ne sais combien de fois. Ouh, faute sur Peter White. Carton jaune. Putain, c'est qui a pas eu un coup de carton jaune. Les Uruguayens. Ce qui sera pour taille, celui-là. Eh, je vous la donne. Montero. Directement dans les bras de Siman. 22 tirs cadrés à 11. Les cams. Oh, penalty encore. Ce sera un carton rouge en plus. Pas bon pour les Uruguayens qui se retrouvent à 9. Du coup, deuxième faute consécutive de taille. Here we go then, the player preparing to take the kick. Il sera tiré par Gascoigne. Pas changé de joueur. Très bien. Ouais. Ah, je peux changer de côté par contre. Ça, je savais pas. On va là-bas. Et il rentre. 1. En faveur des amis de l'Angleterre. Est-ce qu'il y a une chose que j'aime bien dans cette Coupe du Monde,
dans la vraie, hein, je parle pas de celle de moi, c'est qu'il y a aussi énormément de buts. Good clearance. Et du coup, ça fait bien plaisir, ça fait beaucoup de spectacle du coup. Puisqu'après tout, le foot n'est qu'un divertissement, hein, même si après, il y a toujours les résultats qui comptent, mais il faut quand même qu'il y ait du spectacle. Le fait qu'il y ait beaucoup de buts comme ça, c'est très agréable à regarder, même si je suis pas très très foot. J'avoue que les quelques matchs que j'ai vus, ils étaient assez corrects pour ma part. Du coup, le fait que j'arrive à marquer aussi beaucoup dans le jeu, ça fait plaisir. Go straight, bastard. Ah! Putain, j'ai pas le temps de le tirer. Du coup, ça se rapproche un peu de l'arrivée. Ça se rapproche un peu de l'arrivée. Oui et non, parce que j'ai gagné avec des équipes qui n'ont du coup pas gagné et pas avec le même score. D'ailleurs, je pense qu'à la fin de ces matchs de poule, je mettrai, je pense, un récapitulatif des matchs qui ont été réellement gagnés par rapport à mes matchs à moi. Donc autant, on va dire, un gros pourcentage de matchs gagnés par rapport à ce que j'ai moi, s'il y a des matchs totalement justes, ce qui m'étonnerait d'ailleurs. Je crois pas que j'ai fait un match qui correspond réellement à la réalité. Voilà ce que j'attendais. Je regarderai tout ça, sachant que je n'ai pas mis mes points à jour depuis le troisième match, je crois. Donc peut-être que je m'y mette. Mais j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ça, je suis en flux hyper tendu. D'ailleurs, hier, il n'y a plus de vidéo, je suis désolé, j'ai vraiment peu le temps d'aller dessus. J'ai la famille d'abord, voilà, tout simplement. La famille d'abord, c'est très important pour moi, la famille. Put your right. Et après, du coup, je suis parti voir le match France-Suisse. Très bon match de français d'ailleurs. Je suis un peu déçu que l'arbitre ait sifflé un peu trop tôt à la fin du match en pleine action comme ça. Je trouve que ça se fait absolument pas. J'étais assez déçu de ce côté-là. Mais sinon, les Français nous ont régalé pendant ce match. Ok. Bien, 5 minutes de la fin, toujours 6-1 en faveur des Anglais. Arrêt de Romé, faut plus la laisser passer, ça sert à rien, de toute façon, elle est sortie. C'est mal. Nice pass. Gascogne. Tout seul. Good skill there. Ah! Si j'en marque un dernier, j'aurais mis le plus de buts dans un match. Ah, faute de Becca sur Becca, mais c'est pas vrai. Carton rouge, allez, troisième carton rouge du match. Sarah Leggy cette fois-ci. J'essaie de trouver un compromis parce que là c'est bien n'importe quoi. On va s'en occuper. Ah. Goal kick. C'est pour faire ça, ça sert à rien. Allez, zou. Good header. Campbell. Sorti comme il passe. Bâti. Sharingan. Ah putain, je n'arriverai jamais à mettre un septième. C'est dingue. Oh là 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 là, ça c'est l'erreur. Ça va, c'est même l'arrêter.
Directement en touche, 68% de possession de balle pour les Anglais. C'est un peu plus correct. Bel arrêt. Deuxième corner du match pour les Uruguayens. Allez, c'est parti, contre-attaque. Ouais, l'Espagne n'est pas aussi rapide. Ah, fin du match, donc 6-1 pour l'Angleterre contre les Uruguayens. Ce fut un beau match, sur deux pénaux aussi, 6 man du match. Alors, donc les Uruguayens ont 31 occasions de but, dont 28 cadrés, 2 corners et 11 fautes, énorme. De mon côté, donc 6 buts marqués, 20 occasions, 15 cadrés et 2 fautes. Très bien, très bien. Du coup, on se retrouve pour Japon-Grèce aujourd'hui même. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu sur cette vidéo pour me montrer que vous avez apprécié. C'est important pour moi. Laissez un commentaire si vous laissez un pouce rouge aussi, ça pourra me permettre d'améliorer tout ça. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, le lien est dans la description de l'épisode. Allez, ciao!